Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un bateau secret qui voyage dans la map de Fortnite. Enfin, en tous les cas, aux alentours de la map de Fortnite. Parce qu'à un moment, il se trouve à gauche, à un moment, il se trouve à droite, à un moment, il se trouve en haut, et à un moment, il se trouve en bas. Alors, il faut savoir que ce bateau est rempli de coffres, et il y a même une table d'amélioration si jamais vous voulez améliorer vos armes. Il y a même un petit coffre secret avec des bras mécaniques. Alors, ce bateau, normalement, se trouve tout à gauche de la map, mais là, je l'ai trouvé en haut de la map. Donc si je comprends bien, soit il bouge en fonction des heures, soit il bouge en fonction des jours, ou soit il bouge par rapport à chaque nouvelle partie, ben, il a un nouvel emplacement. Donc il faut vraiment regarder aux alentours de la map et vous ne pourrez pas le voir sur la petite carte. Il faudra vraiment regarder et être attentif. C'est un peu comme un lama, sauf que là, ben, il n'y en a qu'un et il voyage autour de la map. En tous les cas, je pense que ça peut être un bon atout stratégique. Donc si vous le voyez, vous allez le loot. Et ensuite, vous pouvez même repartir en bateau parce qu'il y a un petit bateau accroché à l'arrière du bateau pour repartir directement sur l'île de Fortnite. En tous les cas, GG à Fortnite parce que ben, voilà, c'est sympathique d'avoir des petits easter eggs comme ça dans la map. Ça fait toujours plaisir. Et voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike. Et ciao. Peace.